D'un côté, il y a les militants FN venus assister au sacre de Stéphane Ravier. Face à eux, les opposants au Front National qui sont là pour afficher leur colère. Dans la salle où se tient le conseil d'arrondissement, la tension est à son comble et certains en viennent presque aux mains. Après une brève intervention des forces de l'ordre, le vote peut avoir lieu. Face à la liste de Stéphane Ravier, celle de Stéphane Marie, le candidat de la gauche. Une candidature de témoignage. Et c'est finalement le maire sortant, Garo Ovzepian, qui, la mort dans l'âme, annonce les résultats. Stéphane Marie, 8. Blanc, 7. Ravier, 33. Élu maire d'arrondissement. Et dans cette immense cohue, Stéphane Ravier revêt l'écharpe tricolore qui ne lui a pas été remise par le maire sortant. La campagne électorale est bel et bien terminée. Enfin, les électeurs se sont prononcés. Ils m'ont choisi en toute liberté, en toute égalité, en toute fraternité pour être le maire des 13e et 14e. Comme le veut la tradition, le nouveau maire du 13-14 donne ensuite la parole aux élus qui souhaitent s'exprimer. Et c'est l'UMP et le PS qui s'écharpent sous les yeux amusés de Stéphane Ravier. Ambiance délétère pour ce premier conseil d'arrondissement dans le 7e secteur, un secteur devenu un symbole à la fois pour les pros et les anti-Front National.